Maxime Bernier, ça fait 10 ans que vous êtes à la vigne avec votre papa. C'est un sacré bail. Quand vous regardez dans le rétroviseur, vous vous dites quoi sur l'évolution justement de la vigne avant qu'on parle de votre exploitation? Qu'est-ce que je vois dans le rétroviseur? Des belles années, des années plus difficiles, des années un peu plus chaudes. Maintenant, il y a plein de choses qui changent. Oui. Alors qu'est-ce qui change justement dans cette décennie qui vient de s'écouler? Globalement sur la viticulture et globalement dans votre coin ici, de cette petite partie de vallée du Rhône-Nord. Ici, on est plutôt chanceux parce que globalement, ça s'est réchauffé, c'est sûr. Peut-être moins qu'on pourrait le penser certains, et on arrive à des maturités plus stables et plus équilibrées. On n'est pas encore dans des trop de chaleur, donc on ne va pas se plaindre. Si ce qui se dérègle beaucoup plus, c'est pas la moyenne des températures, c'est la pluviométrie. La pluviométrie en partie, c'est le dérèglement de tout ça. Qu'il fasse chaud des moments où il ne faut pas faire chaud, froid quand il faut pas faire chaud. Et qu'il gèle parfois même au mois d'avril. Oui, voilà. Ou qu'il pleuve tout un été comme en 2021, alors que normalement il pleut peu chez nous. Beaucoup de choses qui changent. Mais plus dans un dérèglement qu'un réchauffement, qui le réchauffement est certain, mais pas catastrophique. Au lycée viticole d'Availlé, où vous avez fait vos études près de Mâcon, on parlait déjà de cette évolution de la nature? Un peu quand même dans les études. Non, pas beaucoup, un peu. Pas tant que ça. Alors aujourd'hui, en deux mots, votre exploitation de 13 hectares, 16 hectares ? 16 hectares. Alors dites-nous. 16 hectares sous deux appellations, Saint-Joseph et Condrieu, plus matin un peu d'IGP, un petit peu de vin. Oui, vous traversez le Rhône, vous allez sur la rive gauche. Maintenant, on va sur la rive gauche et on va même un peu en cours d'Hermitage. Bon, les sols, c'est les mêmes quand on parle de rive droite et de rive gauche? Certainement pas, c'est pour ça que le terroir de Sessuel est très différent, puisque chez nous, autour de Chavanais, que ce soit en Saint-Joseph, en Condrieu, ou sur nos IGP, on est sur des terrains granitiques très sableux. Et alors qu'à Sessuel, là, on a des terrains de schiste, la roche-mère, c'est du schiste, et des schistes qui sont plutôt argileux, donc qui sont beaucoup moins drainants, plus argileux, très intéressants. Et l'exposition qui est diamétralement opposée, puisque chez nous on est plutôt sud-sud-est et que là-bas on est plutôt sud-ouest. Globalement, si on parle un petit peu de ce qui se passe au niveau du milieu vitivinicole et plus globalement agricole, comment vous vous sentez l'avenir justement de l'agriculture dans notre pays? Je ne sais pas, moi je ne sais pas tout, mais il va falloir que ça change beaucoup de choses. Nous on est vraiment le secteur pas à plaindre. La viticulture en général, je pense, n'est pas à plaindre. Il y en a certains à plaindre et c'est pas nous. C'est les vignerons qui font beaucoup de volume avec des petits vins vendus en grande distribution. Eux sont à plaindre aussi comme le reste des agriculteurs. On n'en fait pas partie, donc on a cette chance-là. Mais pour tous les autres agriculteurs et viticulteurs, oui, il va falloir qu'il y a des choses qui changent. Ultime question pour cet entretien. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont en bio, qu'ils soient agriculteurs en général ou viticulteurs, c'est un peu les pionniers encore de cette grande ferme agricole France? Des pionniers, je ne sais pas. En tout cas, des gens qui ont compris que l'agriculture n'était pas chimique et n'était pas intensive. Et du coup, le bio est quelque chose qui garantit à peu près ça, même si tout n'est pas à garder. Oui, c'est des gens qui ont réfléchi un peu plus loin pour essayer de comprendre qu'on ne devait pas se soumettre à un système productiviste et intensif. Petit codicile à cette dernière question. Entre entre Côte-Rôti et Saint-Joseph, pour parler des appellations de la vallée du Rhône septentrionale, on sent justement des viticulteurs qui prennent un petit peu ce tournant. Parce que vous faites école? C'est plutôt logique. C'est ce que je dis beaucoup en termes de climat, en termes de travail, de facilité de travail. On devrait être les premiers à être tous en bio, les vignerons ici du nord de la vallée du Rhône, parce que une fois qu'on s'est affranchi du glyphosate, qui est une catastrophe pour les coteaux, et il y en a encore trop d'utilisés. Ce qui n'est pas facile en bio, c'est les traitements contre le mildiou et l'oïdium qui
sont engrangés par des climats pluvieux et plutôt très pluvieux et tropicaux, chaud et pluvieux. C'est pas du tout notre cas, on est une région sèche, on a peu de mildiou par rapport à beaucoup de vignobles. Voilà, on devrait être les premiers en bio. Tous, je veux dire. C'est plus facile ici qu'ailleurs.